Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Resident Evil. Alors, il n'y a pas la voix d'ailleurs quand le menu s'est affiché. Ou alors je l'ai pas entendu, j'ai pas fait gaffe. Donc on est sur Xbox One X. C'est la démo. Faut savoir que je ne suis pas du tout un fan de Resident Evil à la base. J'ai joué un petit peu, mais pas trop. Mais j'étais curieux, je vais sûrement pas acheter le jeu d'ailleurs, mais j'étais curieux de voir ce que ça donne. Donc, c'est une démo. En fait, on peut y jouer une demi-heure, on peut pas jouer plus. Une fois qu'on a commencé, c'est une demi-heure. Voilà. Ouais, donc sur Xbox One X, il y a le HDR, le jeu, il est en 4K, enfin... Voilà. Bref. On va voir un petit peu ce que ça donne, mais je suis pas vraiment... J'ai joué un petit peu au 4, un petit peu au 5, un petit peu au 6, enfin... Voilà, j'ai... Même les précédents, j'ai joué un petit peu, j'ai picoré à chaque fois les Resident Evil, mais j'ai jamais vraiment joué, mais j'étais curieux de voir ce que ça donne. Bon, on va appuyer sur A, pardon. J'ai été occupé. Ah, je suis désolé si on entend un petit peu pleurer en bas, en haut, pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? On a des emplacements, on peut combiner. On ouvre l'inventaire, ok. Il y a forcément quelqu'un ici. Prenons UDF. C'est pas bon ça. David, Marvin, vous m'entendez? On a un moyen de sortir. Tout est là-dedans. Recule pas bien vite, hein, quand même. Hein. Envoyez des renforts dans le couloir est. Il faut que j'aille l'aider. Bon. Par contre, on va avoir sûrement le gameplay lourdeau. Alors, je vais peut-être me faire traiter à dire ça, mais... Le gameplay lourdeau qu'on a dans tous les Resident Evil qui fait aussi que... Je suis pas particulièrement fan de Resident Evil depuis qu'on joue la caméra à l'épaule comme ça derrière et tout. Je trouve le gameplay hyper lourd. Ce qui fait que je suis pas réellement... fan du jeu. Par contre, c'est fluide après. Là, en plus, on est en 4K sur la One X, donc avec du HDR et tout. Enfin, vous aurez pas le HDR sur la capture, mais du coup, y a des beaux reflets et tout. Je trouve que c'est plutôt bien foutu. Et je voulais découvrir ça avec vous, tout simplement, parce qu'il y en a peut-être qui vont pas avoir la démo ou qui ont pas capté et que ça sortait maintenant. Et puis, parce que je me dis, je vais sûrement pas acheter le jeu final, et je vais peut-être pas y jouer, mais au moins, ou alors je l'achèterai quand il sera moins cher, en promo. Mais au moins, j'aurai essayé, et je me ferai un avis par rapport à ce que j'ai essayé. Bon, on va peut-être pas avancer beaucoup, par contre, parce que, à mon avis, les fans, on va dire, ceux qui connaissent vraiment le jeu, là, ils doivent criser, parce que... Il faut sûrement prendre un chemin vite fait. Et que comme je suis un petit peu con, j'ai pas vu le chemin. Mais bon. Ce serait bien qu'on se balade pas que dans le hall quand même. Ouais, mais pour l'instant... Par contre, il n'y a pas d'impact. Là. Hop, on va pouvoir faire un truc avec ça. Je sais pas ce que j'ai ouvert. C'est cette grille-là.
Bon, vous m'excuserez, je pense qu'on va l'entendre. Je vais peut-être changer les réglages du micro. Alors si vraiment on l'entend trop, je mettrai sur pause. Parce qu'il a pas l'air de vouloir dormir. Bon. Je garantis que la vie de parent, c'est pas toujours facile. On va bien se faire surprendre à un moment donné, je vais sursauter, mais bon. Bah c'est un peu le but du jeu aussi, hein. C'est de se faire un petit peu peur, comme on dit. Sinon, ça va. Faut pas l'intérêt. C'est ce qu'on retrouve plus vraiment dans les derniers d'ailleurs. Bon, je vais couper le micro 2 secondes parce que si jamais il pleure trop, ça va être désagréable pour vous, je pense. Bon, on peut déjà allumer la lumière, c'est pas mal. J'ai le chat qui va s'y mettre. On va pas y arriver, hein, cette vidéo entre le bébé et le chat. Là, je suis en train de retourner par où j'étais parti. Je peux pas rentrer là. À un moment donné, tu peux pas l'enfoncer la porte, mon gars. Il y a des beaux effets de lumière. C'est plutôt pas mal. Je vais faire un truc. Attendez, je vais regarder sur le micro. Pardon pour vos oreilles. Hop, je suis de retour. Pardon pour vos oreilles. J'ai changé le mode. Le mode de captation, il va peut-être prendre moins large et on l'entendra peut-être moins chouiner là-haut. Je ne sais pas. Mais là, je pourrais pas faire la vidéo à un autre moment de toute façon. On n'a pas du corps à corps normalement. Bon. Ah, attendez. J'avais pas vu ça tout à l'heure. Je pense qu'on va l'entendre. Je suis désolé. Ça va pas être génial. Mais bon. Voilà. On arrive dans le couloir de la mort. Bon sang. Il est où ce con? Ouvrez-moi! Ouvrez cette putain de porte! J'aimerais bien, mon gars, mais je peux pas. On va essayer. Je vais vous aider! Je vais passer par là. Aide-moi! Putain! Tenez votre main! Je vous tiens! Autre main, allez. Oh. On va tenir vous, marrant. Oh là là. C'est dégueulasse. Ok. Oh,
sortir. Bah, c'est ce que je fais. Je vais donner... bien arriver dans mon dos aussi. Oh là là, la cata. Faut que je règle la sensibilité parce que là c'est terrible. Voilà, puis j'ai les chats qui s'y mettent aussi, on va pas y arriver, les gamins qui gueulent, les chats qui s'y mettent. Merde, ils sont partout. J'ai pu avoir des munitions bientôt. Vous voyez quoi, je vous dis que... Enfin, genre... C'est pas une blague. Allez, on va courir. On va essayer de se tirer. Vite. Oh putain. Attention. On va faire vite à porter. T'es en sécurité. Pour l'instant. Merci. Marvin Brana. Léon Kennedy. Il y avait un autre officier, j'ai pas pu. J'ai pas pu. Hey. Je suis sûr que t'as fait ce que t'as pu, Léon. On sait ce qui a causé tout ça? Aucune idée. Mais franchement, tout ce que tu dois savoir, c'est que cet endroit te bouffera tout cru si tu fais pas attention. Je devais commencer la semaine dernière, mais on m'a dit de ne pas venir. J'aurais aimé être là plus tôt. T'es là maintenant, c'est tout ce qui compte. Lieutenant, je suis prêt. J'espère que tu trouveras un moyen de sortir d'ici. L'officier que t'as vu tout à l'heure, Elliot. Il pensait que ce passage secret ferait l'affaire. Tant mieux. On pourra vous amener à l'hôpital. Non, non, il y a plus important que moi. Lieutenant, je peux pas vous laisser là. Ceci est un ordre, jeune homme. Tu dois d'abord sauver ta peau. J'aimerais venir avec toi, mais ça te ralentirait. Tiens. Allez, prends-le. Si je fais ça... C'est bon, arrête. Fais pas la même erreur que moi. Si tu croises d'autres de ces choses, uniforme ou pas, tu dois pas hésiter. Tu les tues, ou tu cours. Compris ? Compris. Bon, on récupère le couteau de combat, j'avais coupé le micro. LB, sortir le couteau. Et RT, attaquer. Ok. Ok. C'est assez pratique par contre, ça, je trouve. La manière dont ça a été fait, c'est pas mal. Par contre, bah, j'ai plus de munitions. Mais ça, la sensibilité était un petit peu haute, je trouve. Donc, après, c'est peut-être moi aussi, hein. Mais j'ai pas l'habitude de jouer au RE. Même les derniers, mais bon. Voilà, donc tout à l'heure, ce qui nous bloquait, c'était un scotch. Pas comme ça que j'imaginais le petit jour. Bon. Là, il y a des munitions. Par contre, ce... Elles vont pas dedans. C'est pas les mêmes. Ah. Bon. Mais c'est pas grave.
Par contre, ce système d'inventaire là, qu'on a dans les RE comme ça, j'aime pas trop. Enfin, la manière dont c'est fait. Après, c'est fait pour pas porter trop de trucs et tout, donc je comprends, mais j'aime pas trop. Bon, écoutez, même si c'est pas trop mon truc, il faut reconnaître que le travail est bien fait. Il va bien se réveiller, ce con. Je vais être en train de boire. Ah, oh, c'est dégueulasse, hein. Public adulte, évidemment. C'est quoi? Oh là là. Ah ouais, c'est... Ils ont rendu le truc vraiment gore. Pour le plus grand plaisir de certains, je pense. Moi, c'est pas trop mon truc, mais... Même les films de ce genre-là, j'aime pas trop. C'est pas... Oh putain. C'est pas mon délire, non. Mais bon. J'ai juste fait un gueule parce que j'ai pas mal au fond. Oh, t'es pas morte, putain. Non, ça devrait être bon. Bon, je suis désolé, maintenant qu'il n'y a plus le bébé, il y a le chat. On va jamais s'en sortir. Puis alors, moi, je connais pas trop Resident Evil 2, mais du coup, je pense qu'on reconnaît. Ah, ça c'est bien, à mon avis, je vais en avoir besoin. On doit reconnaître les lieux, bah, du coup, du 2, à mon avis, puisque ça se passe quand même au même endroit, malgré tout. Donc on doit reconnaître les lieux et tout ça. Ça, on va pas trop perdre de temps, c'est la démo, voilà, on va pas... Ok. Mais c'est quelque chose qui doit parler aux fans, justement. C'est con, il n'y a pas de corps à corps. Moi, je vais récupérer mon couteau quand même. Merde, hein. Enfin, une munition que j'ai tué pour le niquer, là. Abusé. Oh, on me l'avait déjà fait, ça. Hop, on va combiner, ça c'est pour regagner de la vie. Ça, je sais pas à quoi ça va servir pour l'instant. Mais bon. Ah. Regarde cette putain de porte.
Ouais, ça, les plantes, c'est des trucs qu'on a. Ouais, batterie faible. Bon. J'ai la manette qui me dit batterie faible. C'est pas grave. Voilà, mon inventaire, il est plein déjà. C'est quoi ça? On va laisser ça là. Les jeux d'ombre et tout sont sympas en plus. Puis en plus, on devient parano. Moi, je deviens parano avec ce genre de truc. Je les frappe pendant 10 minutes pour être sûr qu'ils se relèvent pas. Tiens, voilà, par exemple. Vous serez gentiment approché. Aller plus loin. Je pense que vous avez vu ce que ça donnait pour ceux qui peuvent pas essayer. Je m'excuse pour le petit qu'on a dû entendre derrière moi, mais même s'il est à l'étage, on a dû l'entendre. Bon, c'est pas très très grave, hein, tant pis. Je mettrai le son du jeu assez fort et ma voix un petit peu moins forte, et puis ça comblera. Donc je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.